messieurs, dames. Bonsoir! Parce qu'on alterne les temps calmes et les temps un peu plus énervés. Merci, merci. Donc, nous sommes ici pour remettre une contribution collective, en fait. Mais évidemment, il va falloir deviner ce qu'il y a dedans. Je te sens inquiète d'un seul coup, là. Gentiment, mâche. Ouais, le dentier colle. Voilà. Bon, alors, donc, je suis accompagné d'une charmante demoiselle qui t'accompagnera. Je dois dire. Non. C'était pas prévu. J'étais pas au courant, Jean-Marie. C'était pas prévu. Attends, Marie, c'est pas toi, en fait. C'est pas toi, Marie. C'est pas toi, Marie. Marie. Voilà, donc Marie peut aussi jouer à cette contribution, même si sans doute que, elle a des indices supplémentaires. Donc il s'agit du cadeau mystère. Tadam. Donc Jean-Marie, as-tu une idée du cadeau mystère? C'était une brosse à dents, ça m'embrasse. T'es sûr, peut-être une chemise. Une nouvelle chemise. Ou du rouge à lèvres. Non, généralement, les retraités, c'est une télé. Donc, tu vois. Ah, mais non, on les a. Qu'à la pêche. Non, mais on était là, mon deux. Trois entre moi. Une télé. Tu as besoin d'un 10. Un 12. Un 12. On peut te donner un 16. Alors, il faudrait te donner un indice. Il s'agit d'une capitale. Ça va pas t'aider. Bruxelles. Je voudrais aller voir le manège Elvis. Très bien. Je pense que moyennant que tu refermes ta braguette, tu peux arriver. Voilà. Et donc, effectivement, tu as réussi à accomplir la première étape du cadeau mystère. Il s'agit bien de Bruxelles. Bravo! Bravo, Jean-Marie! Alors là, quand même, au bout de 24 ans, on a plus rien tout à fait. Moi, j'ai redoublé. T'as redoublé? Oui, j'ai redoublé d'efforts. Donc voilà, tu as acquis des dons de voyance un peu surnaturels. Donc le cadeau mystère contient Bruxelles. Il contient d'autres choses dans le cadeau mystère. Voilà. Le cadeau mystère. C'est le cadeau mystère. Bruxelles et ensuite. Non, il ne s'agit plus d'une capitale. Il s'agit de ce qui va se passer à Bruxelles. Les bébés qui naissent dans les choux. Les bébés qui naissent dans les choux, tu m'inquiètes. Tout va bien de votre côté. Tu peux encore y arriver. Tu sais que tu peux le faire. On sait que tu peux le faire, mais là, il va falloir. Non, ce ne sont pas les bébés dans les choux. La cryogénation. Non, m'inquiète. Il faudrait peut-être qu'on arrête ce genre de questionnement inquiétant. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire à Bruxelles? Du trou. Bravo! Bravo! Bruxelles, ma belle. Je vous en prie, gardez vos. Oh, mais n'insistez pas. Je cherche. Bon, je vais te donner un indice. Ah, enfin. Tu feras tel thème sur tout. J'ai besoin d'un peu plus. C'est vrai qu'il danse. Oh, oh là, attention. Valet, du valet. Vous avez dit Béjar. Béjar. Très bien. Tu as les deux mots-clés. Donc, il s'agit effectivement d'un week-end à Bruxelles pour voir, non pas Béjar, qui est mort comme chacun sait, donc, mais un valet par sa compagnie. Donc, un week-end, tout frais payé. Avec, donc, je pensais que c'était Marie, mais apparemment, c'est pas cette Marie-là.
Donc ce sera une personne de ton choix. Tu me dois 100 euros, Michel. Voilà, moi. Tu peux choisir. En même temps, je crois que dans le vol, ils ne comptent pas les animaux, je suis désolé. Et donc un week-end, tu seras payé par tes collègues et amis. Donc je te propose d'ouvrir le cadeau mystère complet. Tu ne me crois pas? Et après, il faudrait que tu désignes la personne avec qui tu y vas. Je pense qu'il vaut mieux le faire à Jean. Donc, je ne suis pas sûr que ce soir soit la meilleure personne. Reste Marie avec nous. Parce que tu es encore sur la liste d'attente, tu sais. Je connais bien Bruxelles, vous. Ah, il y a des volontaires. Pour découvrir le Madame Suisse. Donc la liste d'attente a l'air de s'allonger. Il y a de la concurrence. Pourquoi il n'y a pas de table? Jean-Marie. Wow, c'est beau. Ah, il y a une coquecinelle. Ah, c'est un petit supplément de Gisèle. Ah, voyons. Jour, hein. Vous voyez. Ah oui, oh là là, extraordinaire. Donc pour un week-end du 10 au 11 novembre 2012, la nuit du 10 au combien? Au 11. Vol direct au départ de Bilbao. Bilbao. Hôtel au centre-ville, c'est l'hôtel de ville. Mais ils sont toujours complets. J'ai essayé de louer des chambres à l'hôtel de ville. Non, mais ils sont pas. Ah oui, d'accord. Samedi 20h, le Béjar Ballet de Lausanne, compagnie légendaire du défunt Maurice. Oh. Deux chorégraphies dans le cadre du festival Béjar. Il va falloir que tu répètes parce que tu danses. Avec le ballet de Los Angeles. C'est beau, magnifique. Tu es l'invité surpris. Merci infiniment, bravo. Alors tu as une petite carte signée par les généraux donateurs. On va faire la liste. Ouh, il n'a plus. Ouh, eh ben dis donc. Donc, je vais juste rapidement, je pense qu'on peut qui sait les nommer, non? On les nomme? Qui sait qu'on peut? Que les gens sachent ce qui est devenu leur argent quand on a été. Les... Non, tu ne veux pas, non? Tous les amis. Voilà, enfin, tous ceux qui étaient dans le groupe de travail, et donc, qui ont largement contribué. Qui sait donc, voilà, le contrat, c'est ta compagnie. Ah, ben d'accord. Donc voilà, et maintenant je t'invite à partager. Ah donc, c'est sûr, pas de regret, tu sais que tu avais des attentes à droite, à gauche, il y avait toutes les ex du début là. Non, je confirme ton choix, c'est ton dernier mot. Mais on va pas sous l'attente.